Je m'excuse, madame. Madame ferait manger? Oui, à quel sujet? Au sujet d'un accident, madame. Enfin, d'un accident pour l'instant matériel survenu à la voiture de monsieur votre mari. Une Rolls-Royce numéro 719BU06, c'est bien ça? Oui. Si vous voulez bien me suivre, madame, sur les lieux de l'accident. J'arrive, ma veste. Vous savez quelque chose? Dites-le-moi, je vous en supplie. Je peux juste vous dire que... Enfin, on a retrouvé la voiture dans les rochers. À tout le monde que votre mari était en voyage. Vous allez me répondre parce qu'il était en voyage. Alors pourquoi la petite vient-elle de m'avouer qu'il n'était pas parti hier soir? Vous allez me répondre parce qu'elle ment. Je n'ai encore rien dit, monsieur le commissaire. Ah. Je vous écoute, madame. N'a quitté cette maison qu'hier soir. Pour où? Il avait un projet en Yougoslavie, je devais le rejoindre plus tard. Il ne vous a parlé d'aucun rendez-vous? Il n'avait personne à rencontrer hier soir? Thank you.
moment d'avoir le courage de rester seule. Je ne l'ai pas. Je ne peux pas. Si je peux faire quelque chose pour vous, madame. Non, rien. Si, restez un peu avec moi. Je regrette mon petit. Vous êtes si jeune pour être mêlée à tout ça. Est-ce qu'elle peut être gentille? J'ai jamais eu une maîtresse comme elle. Le feu, j'adore jouer avec le feu. Il s'agit simplement qu'elle croit qu'Eric est vivant. Qu'elle croit qu'il se cache dans sa chambre. Qu'elle soit prête quand les policiers viendront à le jurer sur la tête de sa mère. Des faux témoins sincères, crois-moi. Comme disait Eric, ce sont encore les meilleurs. Mais quand tu as téléphoné à l'agence, pourquoi n'as-tu pas précisé? Envoyez-moi une folle.